Et c'est parti les gars pour une petite soirée The Forest, let's go baby! Tout le monde est rassemblé, la team saucisse, c'est impeccable. On est parti donc pour quelques heures pour avancer, on doit avancer. Oula, un gros, j'ai entendu le bruit d'un gros. Non. Si, venez, on s'engage dans une grotte les gars. Bah j'allais vers la grotte Nico. Ah, donc attention. Ouais il est là, et bah il est juste à la. Il est bah allez go, il faut descendre. Enfin comme vous voulez, après vous pouvez vous le faire les gars. Hein. Si vous êtes chaud, let's go. Si on est dessus, de toute façon, si on y est tous, c'est bon. Faut pas qu'on reste. Attends. Oh putain, puis y a un mec carrément courant. Il va me faire casser. Ah, oui. Il va me casser les couilles ou pas lui. Ah ouais, il y a un chef de tribu là et un gros, ouais, effectivement. Faut descendre. Ah mais attends, elle est où l'entrée de... Attends, il va se faire... Ah bah oui, putain, mais elle est juste là, putain, allez, go. On appuie sur la touche, hop. Allez, lui, qu'est-ce qu'il fait, mon copain, le stylole. Oh, non. Viens, il clique sur le 3. Ouh, baby. Oh, j'ai échappé chaud. Nouvelle expression. J'ai échappé chaud, les gars. Alors, après, la question se pose, parce que c'est ici aussi qu'on a eu la tronçonneuse. Est-ce qu'on pousse le vice jusqu'à la tronçonneuse, histoire que bah il soit comme nous, quoi? Bah, c'est pas qu'il soit comme nous, c'est que la tronçonneuse, je veux dire, après, pour faire des... Par exemple, là, c'est notre camp de base. Est-ce qu'on va en faire un plus tard, un peu plus élaboré, comme on avait fait dans nous, dans notre partie? Ouais, je suis pas sûr. C'est qu'on va dire, mais la tronçonneuse est quand même... très utile. Elle est très couper utile du bois. Pour couper du bois. C'est ça. Premièrement. Comme et ça. Deuxièmement, par exemple, quand les gros qu'on vient de voir là. Ouais. Les gros qu'on vient de voir, la tronçonneuse, on les déglingue pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est qu'on va dire, mais ça serait intéressant qu'il l'ait aussi. Putain, bon, c'était pas là. Donc, j'avais un doute, tu vois. Malheureusement, désolé les gars, ce n'était pas là. Oh là, t'es comment il nous emmène. Garde, il nous emmène au bord du gouffre et tout. Il voulait qu'on tombe, c'est sûr. Eh les gars, les gars, attendez, regardez comment je fais trop bien le gars qui a jamais joué. Les gars, regardez, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, deux jours, on n'avait pas vu ça, les gars, parce que nous, il faisait nuit quand on est venu. Ouais, c'est vrai. Regardez en bas du gouffre, on voit le fond du gouffre, il fait jour. Regardez ce qu'il y a. Il y a de l'eau. Regarde ce qu'il y a à droite. À droite, c'est quoi en bas? C'est quoi ça? En bas à droite, c'est un hélicoptère, ça, non? Ouais, je le joue trop bien. Eh, les gars, je le joue trop bien. C'est pas un hélico, ça? Eh, les gars, c'est un hélico, hein. Qui s'est craché dans le trou, hein. Mm-hmm. Je dis ça, je dis rien. Tony, tu me mets combien sur 10 en jeu d'acteur? Je te mets moins 3. Moins 3, merde. J'étais dedans pourtant. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, leve-la. Il s'attaque à moi en plus. Eh, direct, il a été sur toi, Lucas. Je sais pas pourquoi. Il aime le poulet, ça. Ah, il a une flèche dans l'oreille, les gars. Hein. C'est à qui cette. Eh, mais vraiment, elle est dans l'oreille. Hein. Eh, sérieux, tu lui avais mis dans l'oreille. Oh, dites-moi, c'est de la belle tambouille qu'il y a là. Il y a moyen de faire un bon gueuleton. Donne-moi ça, j'avais pas vu ça. Pop. T'énerve pas, Tony, ce n'est qu'une boîte. Yo! Le gars, il va péter la gueule à la boîte, quoi. Oh, j'aime quand t'es précis comme ça, Kiki. Regarde là, voilà, il est en face, le guignol. Il y a un handicap certain, le mien. Attends, je porte un menhir dans le dos ou comment ça se passe? Mais si, regarde, il est là où je lance la fusée, regarde. Hop là, tu l'as vu là? Bah, parce que moi, je vois. Ah, mais oui, mais il les a pas, Kélian. Pourquoi? Bah les... Tu sais Mika, les lunettes infrarouges pour voir les ennemis à travers les rochers? Ah putain, c'est vrai. Ah ça marche pas. C'est trop gros. Ah c'est trop gros, merde. Bon, je réessayerai plus tard dans la soirée avec un truc plus vraisemblable, un truc plus plausible. Ouais, plus neige, ouais. Les gars, vous me suivez ou pas? C'est en face. Les lunettes infrarouges pour voir à travers les rochers. Le truc. Ah! Oh putain, le bon que j'ai fait ce moment! Mais attends, je regarde un truc. Oh putain! Et là, t'as la tronçonneuse, Kélian. Moi, mon écran il fait pas HDR donc ça va. Je sais pas. C'est rare de dire qu'on est content de pas avoir l'HDR, mais c'est vrai que dans le jeu. Ça va, j'ai quand même assez bonne mémoire. Hein. Mais grave! Par contre, il me semble. Me semble-t-il, par contre, les gars, que là, il ne faut pas aller par là. Il faut pas...
Et les gars, je crois, hein. Bah après je peux me planter, mais je crois que c'est par là qu'il faut passer maintenant. Mais moi je te suis, mais comme un adepte de ta secte. Tu vois, je te suis, t'es par notre là. Guide, Tony, t'as une mémoire, suis-moi, putain, tu pourrais, suis-moi, limite ça abuse et tu pourrais en laisser pour les autres de la mémoire. Incroyable, le gars, il a, je sais pas combien de téra de mémoire. Regarde, on a même pété le mur là. J'ai l'impression d'être une clé USB et toi un PC gamer, quoi, tu vois. Ouais, et voilà, et Kellyanne. Le piolet. Ah, le piolet, ouais, ouais. Ah, voilà, cool. Et en fait, tu vois, quand on prenait la tronçonneuse, si on aurait continué, on atterrissait dans un petit passage qui nous amenait au bord du trou. Il y avait même une tente, il y avait un mec qui avait mis un petit campement. Ouais, et ouais. On aurait atterri là, en fait. On pouvait sauvegarder et tout. Oui. Ouais, ok, ouais. Oh là là, Mika, c'est beau ce que tu fais, Oh les gars, allez, c'est en qui, les gars, on suit. À gauche, Mika, maintenant, à ta gauche. Enfin, ou comme dirait Tony, à ta gauche. À ta gauche. Je vois rien, je suis même trop joué. Putain, les gars, vous êtes beaux. Là, tu peux redescendre, hein, Mika, t'es arrivé, je pense. Ouais, Kellyanne, c'est pareil. Ok, je monte à mon tour. Comment on fait? Ah, mais bien sûr. Ah, mais c'est déjà. J'en ai deux, maintenant. Faut que je mange un morceau, moi, les gars. Oh, quoique, ah, non, ça va attendre d'être vraiment à sec. Ouais, pas vraiment aussi. Parce que... sinon, c'est gâché un peu de bouffe. Ah non, moi, je passe pas dans vos trucs de merde c'est... d'eau, non, mais viens, là. Viens. Celui qui est court. Y'a rien, y'a rien. Nico, tu mets à peine la tête sous l'eau. Suis notre nom. Par contre, je me noie. Non, je déconne. C'est pas là que je m'étais noyé, Toto. Ça ressemble, hein. Non, c'était pas ici. C'est pas ici. C'était un autre. Ah oui, attends. On ressort, là. Si, ah si, non. Ça va une sortie, non? Je sais pas. Après, on a peut-être fait cette partie de grotte, on a peut-être tout fait, les gars. Hein. Je pense que ça sera fini. On a fini la grotte, je pense, les gars. C'est d'un sens comme dans un autre. On joue à l'extérieur. Eh bah, regarde. Vous voulez pas qu'on aille chercher. Ah, y'a un gros là. Où? Ah ouais, tronçonneuse. Comment ça? Tronçonneuse, vous êtes sûr? Oh putain. Dans le dos, tronçonneuse. Oh là, y'en a plusieurs derrière, les gars. 2, 3. Faites gaffe, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il a? C'est qui? Attention. L'affrontement est inévitable, messieurs dames. Regarde ça, cette boucherie. Vous l'avez eu. Tu vois comment ça va? Attention, il y a un chef là. Je le tue. Ok. Il y a encore un qui doit aller. N'oubliez pas de récupérer une partie de. Oh la vache, je suis gros, les gars. Pour celui-là, là. Oh, elle s'est mise au milieu, elle est mal. Oh, elle va se faire découper, elle. Ah, oh, voilà, merde. Oh, je lui ai mangé un œil. Je suis au sol. Je t'ai rien eu. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais, c'est bizarre, hein, parce que là... T'as fait la position sur le vivre, ouais. Je sais pas, c'est bizarre, Mika. Non, putain, mais c'est collector, ce que je viens de voir, là. Ah ouais, j'étais bien à genoux et tout cas. T'es d'accord avec moi, hein? Ah ouais, je suis complètement d'accord. Ah, c'était très suspect, et quand je dis suspect, les gars, hein. T'as aimé ou pas, mon petit... Il y avait un petit arrière-goût ou pas, non? Oh, même suspect, pas, je me tue un oiseau. Je prends tout, moi. Il était bon, le goût? Ça. Suspect, je me tue deux oiseaux. Bien joué, bouge pas. Oh, non, bouge pas. Circuit imprimé, les gars. Dans les containers, les gars, il y a des circuits imprimés. Pour non, mais tu m'as cramé. Oh, mais non, il est sérieux, il m'a cramé. Putain. Mais comment t'as fait pour le cramer? Bon, je l'ai pas cramé. Je l'ai pas cramé du tout. Ah, tu l'utilises même dans le jeu. Je voulais lui faire une tortue grillée. Et c'est un peu débordé, quoi. Ouais, j'ai vu. Mais arrête! Il est sérieux, lui! Il est malade! T'es malade, Nico! J'ai changé de camp, les gars. Quel enfer! Il y a un papier à récupérer, les gars, là où je suis. Va prendre feu, ton papier! Regarde, il est en train de lire son papier, tranquille! Il est en feu! Ouais, si, c'est là-bas. Je me souviens, on était arrivé de nuit.
Ouais, ouais, c'est là. Effectivement. Effectivement. Bah yes, Iron. Non mais là, ça m'intéresse ton histoire. Là. Il faut vraiment que je me penche là-dessus. Comment on fait pour le lancer, en fait, le dynamite? Normalement, ça doit te présenter une croix, quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'en ai aussi. Ah non, c'est des fusées qui rentrent. C'est où la dynamite? Dégale, mec! Ça va péter! Oh putain, mon toucho! Oh, j'adore ça. Oh, j'adore. T'as allumé? Oh, bam! Oh putain, j'ai pris un rocher en pleine gueule. Bien joué, les gars. En plein dans la tête. Moi, j'ai un crâne, moi. Oh, ça siffle et tout. Il y a des balles. Il y a des mots. Ah, ça y est, si, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ok, d'accord. Des balles et un morceau de du gun. Pièce d'ancien pistolet. 6 sur 8, moi. C'est la 6ème. Ouais, c'est la 6ème. Ouais, la pièce, c'est ça. Putain, il y en a 8 en tout. Il y en a 8, mec. Hein. Ouais. Putain, ouais. On est plus près de l'avoir, le gun. Je sais qu'il y en a une, donc il y a le bateau, là. Au niveau du gros... Là-bas, il y en a pas. Hein? Là, sur l'île là-bas, il y en a pas un de... Regarde, il y a 1000 là-bas, Tony, tout droit. Ça va péter. Merde, non, attends. Comment on fait? Donc on la place. Moi je l'ai allumé dans mes mains et j'ai placé après moi. Putain les gars, on a été là-bas, on a agi comme des fous. Non, si c'est vrai, arrête de rigoler, je te jure. C'est... Vas-y, attends. Oh, le rocher quoi. L'arbre il a failli se décrocher tellement c'était violent. Oh, c'était violent. Il y a une montre. Moi ça, je suis fou. Oh, c'est la crosse carrément. L'intégralité, le corps du pistolet là. Qu'on a. Tiens, Mika, viens voir. Viens voir, regarde là. Viens voir. Regarde dans l'eau là. Droit devant nous. Regarde dans l'eau, il y a un bateau là. Tu le vois le bateau? Ouais. À côté du rocher. À ta gauche, un peu à ta gauche là. Ah, ouais, oui, tu vois là, tu regardes un peu là. Ouais, t'as vu un bateau? Vas-y, let's go. Chaud de ouf. Ouais. Mince. J'ai une question pour Tony et Nico là. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez déjà ouvert la porte dans le bateau? Oui, il me semble qu'on l'a ouvert. On peut pas te... On peut pas spoil Mika, tu vois, on peut pas... Bah moi aussi, parce que je l'ai jamais ouvert. Oh putain. Oh putain. Un quoi? Requin. Quoi? Requin derrière moi. Mais non, y'a personne. Non, y'a rien. Si, requin derrière moi, les gars, sous l'eau. Oh la chochotte. Bah on voit pas des requins. On va le voir. Ouais, je te jure, on voit pas. Bah les gars, vous êtes cru dans... On voit pas les lorons, vous êtes cru dans les dents de la mer, ouais, non. Ah ouais, y'a un aileron, ouais, ok. Ah bah regardez, à la nuit tombée, on arrive sur le yacht. Mika, regarde vraiment tout ce qu'il y a autour de toi, regarde les détails. Voilà. Il y a plein de détails dans ce yacht. Et il permet également de sauvegarder en plus. Pour le stuff, moi, je m'en fous. M'en fous. Non, je rigole. Non, c'est clair. Ah non, mais c'est bien fait. Non mais il y a plein d'indices sur le jeu et tout. Ça c'est un gros passage hein, pour le jeu, je suis sûr. Bah le bateau a sa petite importance, on va dire. Vous me conseillez de regarder où là? Par contre le mec qui avait ce bateau, il était fan de bateaux quoi. Il y a des bateaux partout quoi. Même des dessins de bateaux partout quoi. On peut aller voir, non, tu regardes Missing, un enfant qui a disparu. T'as vu, c'est con, mais là, sur la bouteille de lait, là, tu prends la bouteille de lait, tu vois qu'il y a un gamin qui a disparu. Et c'est pas le nôtre, c'est pas notre fils. Donc tu te dis qu'il y a d'autres enfants que ton fils qui ont disparu ici. Quelle bouteille de lait? Il y avait une bouteille de lait à côté de la tête, là, sur la table. Ah bon? Okay. Ouais, sur le... À l'extérieur du bateau, il y a des cordes. On peut pas la faire péter, la porte? Vous avez pris des bouteilles d'oxygène, les gars? Et juste comme ça, hein. On vient d'obtenir le lecteur de cassette. Ah hein. Oh ouais, il est là. Non, c'est une cassette. Allez. Non. Oh, il y a la femme araignée. Monte. Non. Si. Allez, en dessous de la corde. Non. Avec ses bébés, là. Ah si, je te garantis. Bah, faut la défoncer, les gars. Allez-y. Ah, bah vas-y, descends, viens, descends. Bah, c'est lui qui dit ça, il est tout en haut, il est même pas des... Du coup, il faut les défoncer. Vas-y, j'arrive en beau gosse, moi. Vas-y, go. Tenez. Ah ouais, avec les enfants et tout, ouais. J'arrive en BG. Tu vois, ça, c'est la femme araignée, ça, Mika. Ouais, elle est incroyablement forte. Wow, regarde, moi j'ai des potes, ils ont de l'explosif. Hein. Ah ouais, bah ouais. C'est la femme araignée.
Tronçonneuse, je vais lui, je sais pas combien de flèches. La femme araignée. On va mourir. Femme araignée. Oh, elle est morte. Oh putain, j'ai tué. Eh voilà. Tu m'as fait péter. N'en parle plus, il y a un bébé encore là, j'ai les gars. J'ai pété. Je lui mets un petit oh le bâtard. Petit C4 des familles. Bam. C'est bon, j'entends encore des enfants là, non? Ah oui, ah, regarde, c'est un enfant ninja. C'est un ninja. Au moment où tu dis ça, il bondit le truc. L'enfant ninja. Attention, attention, la foire de Saint-Denis. Attention, les petits enfants, attachez vos ceintures. Le manège n'est pas ancré au sol. Et bah là, ça repart en gauche-droite. Oh putain. Gauche, il y a deux ennemis à droite, à gauche là. Et bah on va à gauche. Ouais. Allons droit vers les zones nues. Oh non, il y a de l'eau. On est mort là. Oh putain, oh la vache, c'est quoi ça, ce yacht ninja des grottes là? Mort. Il y a en crise d'épilepsie, tout ça, donc je le dis. Oh, il y a un truc à récupérer ici. Oh, une carte! Les gars, une carte! J'ai la carte, on a la carte ici. Trop bien! Tiens, du choco. Alors, la carte, elle est où la carte? Elle est là. Là, sur terre. Moi. Ici, mais la carte, elle est à la boussole aussi dans la main du mec. Ouais, elle est à la. Ah bon? Ouais. Comment ça? Lui là? Je l'ai ouais. Pas? Si, dans sa main. Ah ouais, si, elle est là, elle est là. Ouais, c'est bon, effectivement. Il est où le papier? Par contre, j'ai trouvé un papier avec un truc écrit dessus. C'est pas... Là. En fait, c'est le mec là qui est devant moi là. Il a la carte et puis. Ah, mais les gars, ça remonte en haut. Ici là. Il y a une carte, ça remonte en haut, je crois, les gars. Ah oui, je me souvenais plus, la carte est vierge au début, ouais. Bah... Eh, comment je fais? Ah mon Mika. Équipé. Mon petit Mika, je suis désolé. Je m'en veux de t'avoir fait ça, je m'en veux. Ok, c'est bon, ça marche. Mais quel enflure celui-là. Quel enflure. Ah, intéressant ça. Ah, regarde tout le loot. C'est quoi cet endroit? Oh putain, c'est quoi tout ça? Je m'installe ici, c'est bon. Non mais genre... Mais une tenue... C'est quoi ça? C'est des livres? Oh ouais, y a un coffre de dynamite là. Lost Children... Regarde. The... Oh putain... Ouais, on peut faire péter la map quoi. Oh, y'a la hache! Les gars! Ouais. Y'a une hache là. Fais péter. Y'a des... Oh, waouh! Il y avait des flèches là. Hache de qualité! Des flèches? Oh, ça se voit qu'il y a rien. Les gars, il y a v'là des trucs! Des dynamites et tout. Les gars, il y a. Il y a un pinceau, une lettre. Ouais, les gars, pinceau et tout, pinceaux. Les gars. Il y a un seau et tout. Ouais, ça c'est pour se peindre le cours. C'est quoi ce document? Mais du coup, dinguerie, je suis le bordel dans la boîte. Bon, allez hop. Putain, t'es mauvais. Ouais, du coup, j'ai plus de pinceau. Y'a rien de plus ici. T'as pas le pinceau? Elle a la hache moderne. Plus... Elle fait plus de dégâts que le katana. Ouais, c'est par là, les gars. Faut aller par là, j'entends des ennemis en plus. Qui font. Genre ils ont froid, ils ont qu'à s'habiller aussi. Tu les imites hyper bien, c'est une dingue. Mais bien, hein, je les maîtrise bien. Mais... T'as vu ça? Je te jure, tu les as hyper bien imités, de ouf en vrai. Mais ils ont qu'à s'habiller aussi, tu vois, ils ont froid. Hein. On dirait qu'ils sortent du bain. Et pour moi ici, on n'y a pas été, les gars. Parce que ici, il y a un passage pour aller dans l'eau, tout au fond de l'eau, les gars, là. Ah, ici, mais on n'a pas le masque. Ouais, je sais bien, mais ici il y a un passage pour aller tout au fond déjà. Ah, on n'y a pas été là. On n'y a pas été ici, ouais. Ah, effectivement. Attends, moi j'ai envie d'y aller, d'en voir. C'est juste descendre un peu. Ouais, sauf que le problème c'est que si tu meurs. Ah, tu vas rien voir, c'est mort, c'est fini. Si sans faire exploit, tu fais une fausse manip et que tu meurs. Ton sac il est au fond. Bah ouais. Bah tu vas rien voir. Tout ton stuff. On voit rien du tout. Non, tu vois rien, bah ouais. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur le masque est équipé d'une lumière. D'accord. Okay. C'est-à-dire que quand tu plonges avec et que t'es sous l'eau, tu... Hein, je dis pas de conneries, Tony, hein, c'est ça. Non, non, c'est une lumière frontale, quoi, tu vois. C'est un recycleur. Ouais, bah c'est tout. Bah les gars, j'ai envie de vous dire, faut rejoindre la surface et puis voilà, hein, histoire qu'on puisse sauvegarder notre belle progression. Ouais, c'est ça. Mais là, effectivement, pour le coup,
je crois qu'on a... On a fait c'est le tour, mort. Et ouais, on peut pas aller plus loin. Hein. C'est mort. Ok. On voilà. Bah, les gars. Expédition de ouf. Bah grave. Ça fait plaisir de d'être revenu mm-hmm. à la maison après. Mais expédition de ouf, hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Franchement.